Salut à tous, et ouais, c'est l'heure de Côté Comics, ton rendez-vous comics dans ta télé. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec Julien, qui va nous parler des actus et des sorties de la semaine. Ensuite, interview et reportage à la Paris Comics Expo 2013. Et enfin, moi je vais vous faire un petit tout sûr, enfin non, en fait c'est un gros tout sûr, les comics pour les tout petits. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu et les sorties comics de décembre. Faisons un tour sur le petit écran avec de plus en plus de séries TV tirées des comics qui voient le jour. On vous a annoncé lors de la dernière émission 4 nouvelles séries télé Marvel. Nous avons maintenant le scénariste pour Daredevil et Jessica Jones. C'est Drew Goddard qui s'occupera de l'homme sans peur, lui qui a déjà travaillé sur des séries telles que Alias, Lost, Buffy contre les vampires ou encore Angel, et qui est un proche collaborateur de Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers évidemment. Pour Jessica Jones, c'est la scénariste de la franchise Twilight au cinéma, Melissa Rosenberg, qui a été choisie pour donner vie à la détective privée créée dans le comic book Alias. On vous rappelle que ces deux séries seront accompagnées par Luke Cage et Iron Fist, le tout sur la plateforme Netflix en 2015. Ça bouge toujours autant du côté des comics avec des nouvelles annulations de séries pour 2014. Le mois de février verra l'arrêt de deux séries Marvel très appréciées qui sont publiées en France, Wolverine and the X-Men de Jason Aaron et Nick Bradshaw et Young Avengers de Kieran Gillen et Jamie McKelvey. Chez DC, c'est une série toujours inédite en France qui se termine en avril, à savoir Stormwatch. Les rescapés de l'univers Wildstorm, que l'on avait notamment pu découvrir dans The Authority, sont donc écartés de l'univers DC pour le moment. Au niveau des nouvelles séries, le petit événement est la relance des 4 Fantastiques par James Robinson et Leonard Kirk, et notamment le fait que la famille numéro 1 de l'univers Marvel portera de nouveaux costumes, qui seront désormais rouges. Au-delà de ça, le scénariste compte revenir aux bases de l'équipe, les enfants de la Future Foundation seront un peu écartés, les vilains célèbres remis en avant et l'action recentrée sur Terre à New York. Les 4 Fantastiques devraient passer par des moments difficiles avant de se reconstruire à nouveau. Sortie du premier numéro en février 2014. Nouvelle série aussi pour le Daredevil de Mark Waid qui passe au format numérique Infinite Comics à partir de février. Le scénariste conclura son run avec cette nouvelle série hebdomadaire, Daredevil Road Warrior, qui enverra Matt Murdock dans un road trip à travers les USA. On retrouvera Peter Krause au dessin. Passons sans plus attendre aux sorties comics de décembre. Le joyau que tous les fans de Batman attendaient va enfin sortir en ce mois de décembre. Après DC Comics, Jack Kirby et Superman, la 4e anthologie d'Urban Comics est consacrée cette fois au Chevalier Noir. Vous y retrouverez 15 récits historiques qui ont façonné le personnage, de sa première apparition dans Detective Comics 27 en 1939, jusqu'à la première partie inédite du tout récent Zero Year de Batman 21, qui présente les nouvelles origines du héros. Le tout est agrémenté d'anecdotes et textes explicatifs sur la publication historique du personnage. Vous l'aurez compris, c'est un très bel objet qui arrive à point nommé pour les fêtes de fin d'année et que les amateurs de Batman ne peuvent décemment pas rater. Il sera disponible dès le 6 décembre. Avengers contre X-Men encore et toujours, mais cette fois de manière différente puisque le deuxième numéro du magazine Marvel Universe propose la mini-série What If AVX. Le concept de What If présente des histoires très connues, s'étant déroulées de manière assez différente par rapport à la version originelle. Ici, on a donc bien l'affrontement entre les Avengers et les X-Men, mais un événement nouveau va changer tout le reste de l'histoire. Il est toujours intéressant de voir ce qui aurait pu se passer, et c'est ce que nous offrent les auteurs Jimmy Palmiotti et Jorge Molina. En bonus, vous retrouverez aussi un What If consacré à Wolverine par Rob Williams et Greg Tocchini, sorti en kiosque le 17 décembre. On reparle d'Invincible, connu comme l'autre série du créateur de The Walking Dead Robert Kirkman, mais qui n'a rien à envier à sa grande sœur. Le tome 11 sort chez Delcourt le 4 décembre, et c'est un petit événement puisqu'il contient un numéro historique, Invincible War, présentant un crossover entre tous les personnages de l'éditeur Image Comics. Ainsi, vous y verrez Spawn, Savage Dragon, Witchblade, The Darkness, Madman, Wolfman et bien d'autres encore, travaillant aux côtés d'Invincible et des gardiens du globe pour contrer une attaque à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas tout, à peine remis, Invincible doit déjà affronter le Vultrimite Conquest dans un combat mythique et extrêmement violent, dont l'issue risque de surprendre et de changer beaucoup de choses. En bref, on notera aussi les débuts des origines secrètes de Tony Stark dans le magazine Iron Man 6, le tome 2 de la série The Shadow pour Dynamite Entertainment chez Panini, ou encore le 3e tome du chef-d'œuvre toujours très attendu, Sandman. C'est terminé pour l'actu et les sorties comics. On se retrouve maintenant à la Paris Comics Expo 2013. On va faire un petit tour de l'événement. A tout de suite. Pour sa deuxième édition, la Paris Comics Expo prenait place une nouvelle fois à l'espace Champéret pour un week-end dédié à l'univers des comics. Artistes de renom, grands éditeurs français, médias en tout genre, vendeurs de comics ou simples passionnés, tous se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse et intimiste pour partager leur passion au sein de ce festival unique. Bonjour à tous et bienvenue à la Paris Comics Expo, seconde édition, la dernière festival
français 100% comics qui commence à se faire sa petite place et qui marche encore une fois très bien cette année. Nous sommes devant le stand d'Urban Comics. Nous avons interviewé l'auteur Lee Bermero qui a notamment écrit et dessiné Batman Joker et Batman Noël. Interview tout de suite. I always wanted to do comics from the point when I was a small child. So I guess I started showing my work around when I was a teenager, and you know, got hired when I was 19 at a studio in San Diego, California, run by Jim Lee, called Wildstorm, and it was really there. It was a place with a lot of other artists, and most of which were my age or around my age. So it was cool because, you know, there was other guys who were learning to draw at the same time with different styles, and there was a lot of exchange between us. So it wasn't like a specific style was pushed on us from Jim or from any of the other artists. We were really left with a lot of freedom to explore, find their own style. So, it was a beautiful artistic experience, especially for a young artist, and it really helped me discover a lot of artists and a lot of artists outside of comics, as a matter of fact. So that really informed my style, I think, those years. Un style maintenant bien défini, mais son Joker n'est-il pas aussi inspiré du film The Dark Knight? No. We started it 2 years before that movie came out. Okay. That I started drawing that book in 2006. The movie came out in 2008. I finished drawing that book February of 2008. The movie came out in July, I think. And DC waited to release the book until October, until the movie had come out, and had been in theaters for a while. But no, that book was created entirely separate from the movie. We had no idea what was going on. They were very secretive while producing that movie. So what we were doing was something very, very much our own. And you know, I mean, whether or not there are similarities, it's I find very few. You know, I mean, other than the fact that he's got the scars for a smile, I think our Joker is a lot darker, a lot more psychotic. It's a different kind of feel for me. But I think that where they were coming from with that movie was to do a slightly more realistic version of those characters, to ground it in a world of reality, and we were doing the same thing with those books. But if you want a little bit of trivia, in Lex Luthor Man of Steel number 3, which came out in 2005, there is a newspaper article that Lex Luthor is reading when he meets Bruce Wayne, and in that article there's a photograph of the Joker. And that's the Joker, my Joker. So from 2005, there existed that my version of that character. La fête n'aurait pas pu être totale si le public n'avait pas répondu présent. Heureusement, il s'est déplacé en plus grand nombre encore que lors de la première édition. Nous leur avons demandé un petit mot sur cette Paris Comics Expo 2013. Mot. Comme l'année dernière, j'aime autant. Il y a toujours une bonne ambiance, des passionnés. Il n'y a pas assez de Doctor Who, hein, de stand. Hein. C'est dommage, mais sinon, c'est bien. Non, franchement, le festival, il est super. Il y a de bons exposants. C'était une édition super sympa, beaucoup de monde. Plein de comics en VO, en VF et tout cela. Donc, c'est un vrai piège à porte-monnaie ici. Mieux que Paris Manga, parce qu'il n'y a pas les Free Hugs, les trucs comme ça. This has been a great show. It's a little smaller, so I've had a lot more chance to actually really meet a lot of the fans and you know, talk to them about what they like, and it really means a lot to me when I get the chance to interact. I mean, I work at home on my own in a room, and to be able to come here and feel like the work that we do is appreciated and it's read and it's loved, hopefully, is very, very gratifying. The French fans are unlike any fans anywhere in the world. Deuxième édition, deuxième fois que je viens, super conf. Beaucoup d'attentes au niveau des artistes et ça m'a un peu ennuyé. Elle est bien cette convention, mais je trouve qu'on est un peu laissé de côté, nous, les Ewoks. Paris shows are great. I mean, I do two Paris shows a year normally, and then I get invited back to France to do shows on a regular basis, and I enjoy them every time I come over.
the French fans are some of the nicest fans in the world, you know, really are. On s'amuse, il y a plein de petits comics, pas cher en plus, franchement c'est super. C'est super agréable, tout le monde est gentil, c'est génial. Je faisais plus trop de conf, mais j'y retournerai. Tout le monde est cool. Ça c'est sacrément bien, tout le monde est cool. On reviendra l'année prochaine, peut-être déguisé. Tu reviendras Max. Tu reviendras avec toi, ouais. C'est la fin de cette Paris Comics Expo. Comme vous l'avez vu, beaucoup de gens très satisfaits, c'est plutôt bien passé. On va laisser le mot de la fin à des organisateurs du festival et on vous dit à très bientôt. Tout le monde est vraiment ravi, les éditeurs ont cartonné, les allées étaient remplies, beaucoup de cosplay, beaucoup d'animations. Et je pense que tout le monde est satisfait cette année, donc du coup on continue à bien développer le salon. Et je pense que pour l'année prochaine, on va pouvoir continuer à faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Pour compenser tous ces comics qui font peur de la dernière fois, je vais cette fois parler à l'inverse de comics qui pourraient être un premier comics. Vous pouvez donc piéger votre gosse en lui disant « Viens, je vais te lire une histoire avec des images alors qu'en fait, vous allez lire du comics !» Bien sûr, les parents ne sont pas obligés de s'abstenir, c'est pour tout le monde. On commence avec Cosma, la princesse d'Oz, adaptée du troisième roman de L. Frank Baum, le créateur de l'univers du magicien d'Oz. Dans ce comics, on suit une nouvelle fois Dorothy Gale, qui, après être passée par-dessus bord lors d'un voyage en bateau pour aller en Australie, se retrouve à nouveau dans un monde fantastique. Là-bas, elle se lie d'amitié avec une poule qu'elle surnomme Biina. Bien sûr, cette créature est la première des nombreuses autres créatures à la fois drôles et étranges que Dorothy va rencontrer lors de ce nouveau périple. Adaptation très réussie, ce troisième volet des aventures d'Oz peut se lire sans forcément connaître ce qu'il y a avant. Des dessins rafraîchissants et efficaces, des personnages toujours aussi attachants, des scènes très drôles, le tout avec un rythme assez rapide, c'est à ne pas rater. Comic suivant, le premier tome de Fairy Quest. Ici, vous avez en fait une réécriture des contes de notre enfance par les très inspirés Paul Jenkins et Humberto Ramos. Dans Fairy Quest, le monde des contes pour enfants est horrible pour ces personnages parce que tout est écrit à l'avance et qu'ils ne doivent pas sortir de leurs histoires respectives. Bien sûr, certains personnages en ont marre de devoir toujours faire la même chose et décident de tout envoyer bouler. C'est comme ça que le petit chaperon rouge et le loup s'allient et quittent leur univers pour aller vivre leur propre vie et rencontrer de nouveaux personnages, ce qui ne plaît pas bien sûr à l'infâme Monsieur Grimm, le dirigeant du monde des contes. De leur côté, le chaperon et le loup rencontrent durant leur fuite de nombreux personnages très connus. Des dessins magnifiques et très colorés de Ramos qui rendent chaque personnage attachant et une mise en scène efficace sur une idée à la fois simple et originale. C'est une lecture qui ne devrait pas décevoir grand monde. La suite. On passe à Chimichanga d'Eric Powell, l'auteur de The Goon. Le comics raconte l'histoire d'une petite fille barbue du nom de Lula qui se lie d'amitié avec un énorme monstre, tout aussi poilu qu'elle, du nom de Chimichanga. Elle est pleine d'énergie et super expressive, lui, il est renfermé et ne parle pas. Un duo efficace et attendrissant. Comme dirait l'autre, c'est de toute beauté. On a à la fois un univers barré, décalé et splendide, bourré de références à d'autres œuvres, des personnages plus excentriques les uns que les autres, des dessins au top, un humour ultra présent et diversifié, le tout dans un univers qui frôle à plusieurs reprises le Burton. Une lecture qui change du quotidien et qu'il faut lire à vos enfants. Et voilà pour les comics pour les tout-petits. Mais une fois cela terminé, vous pouvez toujours plonger vos enfants dans d'autres comics très efficaces comme Scary Godmother, que Thomas vous a déjà présenté dans une émission, et qui nous raconte de petites histoires se passant lors d'Halloween, le tout accompagné de magnifiques dessins. Il y a les deux premiers tomes de Mon Petit Poney, yeah, dans lequel on va suivre les folles aventures de plein de petits poneys qui se posent des questions sur d'autres poneys qui ont un comportement étrange dans la ville de Ponyville. Par contre, cette fois, plus 9-10 ans. Et sinon, vous avez aussi Ghostopolis, mon petit chouchou, qui raconte l'histoire du jeune Garth, qui est propulsé par accident à Ghostopolis par Frank Gallows, un chasseur de fantômes un peu usé, où il s'y découvre des pouvoirs un peu spéciaux. Pas mal de rebondissements et des dessins loufoques, petits et grands, c'est à lire. Voilà donc pas mal de petites lectures pour vos enfants, et si vraiment ils n'aiment pas ce qu'on vous a proposé, bah vous les privez de repas pendant une semaine et vous les foutez devant Punisher. Pardon. Le tout sûr est terminé, tout comme l'émission, je vous souhaite à tous une excellente soirée, et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook pour avoir encore plus de détails sur Mon Petit Poney. Bye bye, bonne soirée.